à Elébor, on est tous des gros fans de vinyle. Et du coup, on participe tous les ans parce qu'on est aussi, entre autres, on vend des vinyles et puis on en achète, on fait plein de brocantes et on est tous un peu fans. Donc c'était naturel d'organiser le Discardé aujourd'hui. Oh, il y en a plein, mais souvent les collecteurs, c'est pas les plus connus. C'est souvent des disques obscurs que personne connaît, mais c'est ceux qui se vendent le plus cher parce que tout ce qui est Pink Floyd, compagnie, enfin tous les trucs un peu connus, tout le monde les a, mais le collector ça va être le morceau en fait, parce que il y a des DJ qui vont chercher des morceaux inconnus, genre ce qu'on entend derrière, mais des trucs qui font danser en fait. On trouve des choses en vinyle qu'on trouve pas forcément en digital, et puis voilà, c'est le plaisir de faire partager un peu les bonnes trouvailles, les découvertes, voilà. Non, c'est pas bien compliqué, c'est juste, c'est plus le feeling de savoir quoi mettre, à quel moment, quel disque enchaîner derrière un autre, voilà. Pour moi, c'est plus ça en tout cas. Tout peut se mixer, après on peut pas passer non plus du coq à l'âne, mais voilà, on peut mixer du rap, on peut mixer du disco, on peut mixer la techno, on peut mixer tout plein de choses quoi. Bah, c'est un format que j'aime bien depuis que je suis gamin, voilà, donc j'aime bien acheter l'objet, avoir l'objet, des belles éditions, voilà, puis le côté collectionneur aussi, tout simplement. C'est vrai que c'est un peu plus sympa que d'avoir des MP3 sur un bout de disque dur ou d'écouter de la musique en streaming, voilà, il y a quelque chose de charnel. Que je mixe, c'est que j'achète des vinyles, donc c'est tout un objet, ça n'a rien à voir, c'est pas comme un CD, une cassette, c'est la magie quoi. Ce qui est surtout recherché, tout ce qui est classique rock, David Bowie, Pink Floyd, Lee Woo, Queen, et Pink Floyd principalement, voilà. Il y a des DJ, il y a des particuliers, il y a des gens qui ont racheté une platine vinyle il y a pas longtemps et qui veulent se refaire leur collection. Il y a toutes sortes de personnes.